Manaïta no ue ni So, désolé. C'est ça. Avoir du pain sur la planche. Est-ce que vous comprenez le sens? L'exemple. Signifie? Avoir du pain sur la planche signifie avoir beaucoup de travail qui nous attend. Ah! Oui! Oh, je. Oh! Et, y'a c'est juste. たちには待っているたくさんの仕事があるということは、アボワ・デュ・パン・スラ・プランシュという意味ですかあ <Oui. S 1> あ、許されたせばええ、フランス人使うんですかこれ。はい、bien sûr。あ、アボワ・デュ・パン・スラ・プランシュというのは、うわ、もう仕事いっぱいある、待ってるよーっていう時に、え、ジ・アボワ・デュ・パン・スラ・プランシュていうんですか J'ai du pain, j'ai du pain sur la planche. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire euh, l'exemple s'il vous plaît ah, ah, Vous avez, vous avez terminé la rénovation de votre cuisine Rénovation, rénovation Ré de rénovation, exactement. Rénovation de votre cuisine. Oh non, nous devrons encore faire tout, toutes les peintures et remplacer les fenêtres. ジュボア、ブザベアンコー・デュ・パン・ス・ラ・プランシュ、チュレディ。チュラディあ、チュラディ。チュラディ。え、これ全然なんか、ちょっと意味があってるか確認していいですかね。あのー、うん、あなたの求人のレノバーションっていうのは、あのー、そのブリコラージュみたいな、あのー、海藻の、あのー、 は終わりましたか、あの、っていうことですかね、階というか、あの。多忙、うん、は終わりましたかっていうことですかね。い、いえ。ええー、いえ。えっ、ー、とー。このおのは、いえじゃない。おーのー、とか、えー。うん、ええー、でかちべでて、あ、いや。ああ、みたいな感じ。

移動するランプラセ、窓を変更しなければいけない。変更。ランプラセ、ランプラセで船。で、ジュボア、あ、そうだね。ブザベアンコ・デュパン・ス・ラ・プランシュ。あ、あなたは、いっぱい仕事があるね。君が言った通りだよ、みたいな感じですか。うんうんうん。うんうんうん。うんうんうん。うんうんうんうん。うんうんうん。うんうんうんうんうん。うんうんうんうんうんうんうんううんうう Alors, on a beaucoup euh, travaillé euh, aujourd'hui. Euh, je voudrais qu'on fasse quelques révisions de la leçon, si ça vous va. Ah oui, s'il vous plaît. Très bien. Alors, euh, sans regarder la chatbox. Ah, sans regarder, ok. Bien évidemment. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase qu'on a vue aujourd'hui euh, Je n'avais pas. Ah, je n'avais je, je pas, pas, pas envie de sortir. Exactement. Encore une fois. Tu n'avais pas envie de sortir. Voilà, très bien. Ensuite, au niveau de la prononciation, ici, le mot casé. Comment on dit en français Casé. Ban. Ban. Exactement. Vent. Avec bon, la bouche bon, qui va ici. Bon. Si je dis vent, qu'est-ce que Vain. ça veut dire Vent. Voyez. <laughs> C'est ça. Exactement, exactement, exactement. Si je veux dire yokata. Comment je vais dire Ça s'est bien passé. Exactement. Et donc, on met bien entre l'auxiliaire et le verbe. Très bien, très, très bien. Au niveau des expressions euh, de la nourriture qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de la signification, signification. De avoir du pain Oui. Avoir du pain sur la planche. Qu'est-ce que c'est oh, si, si, eh, Avoir beaucoup de nous attend. Avoir beaucoup de travail. Nous, qui nous attend Nous attend. Qui nous attend? Qui nous attend? Oui. Avoir beaucoup de travail. Qui nous attend? Avoir beaucoup de travail. Qui nous attend? Exactement. Alors, ce que je vous propose, alors pour vous améliorer euh, encore dans votre expression en français, euh, vous pouvez voir euh, revoir le document. Des expressions de la nourriture, ce sont des expressions qu'on utilise vraiment beaucoup. Oh c'est vrai, vraiment beaucoup. Vous, oh, ne savais pas. Oui, vraiment, beaucoup. vraiment beaucoup. Vous pouvez voir à la télévision. C'est vrai, je ne sais pas, tu ne savais pas. Même oh. les Français les utilisent quand ils parlent. Oui, oui, oui. C'est vrai. Oui. Et donc, est-ce que vous avez besoin de, de voir Ah oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, ce que je vous propose, vous prenez les expressions donc du document qu'on a vu. Et vous essayez de faire des phrases, des situations avec ces expressions. Ah oh, d'accord, ok. <laughs> voilà, okay, vous okay. les notez sur, sur, une, sur une feuille et ensuite la prochaine fois on pourra corriger ensemble pour voir si vous avez bien compris comment les expressions s'utilisent. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup à vous, au revoir.